Par le marteau de Moradin ? Je croyais t'avoir demandé hier de te débarrasser des rats de l'entrepôt. Dépêche-toi, rentre là-dedans. Eivor a de nouveau insisté pour que je travaille pour lui dans son entrepôt. Tous les rapports indiquent que nos forces félines nous ont trahis et que les rats reviennent à l'offensive. Il semble que ce soit notre dernier espoir et c'était effrayant déploiement de puissance. Adieu, cher journal, adieu. It is the hero is on the job. Tis a job for me. Haven't you got? Who's in for it now? Let's give them a right thrash. We could run if you wish. You'll not. Who's in for it now? You need me? Charge! I'll get it in a minute, Gov. I'm here to help. I'm here to help. Enthusiastically. I'm here to help. The hero is on the job. Attendez, y'a pas de table? Oui, voilà, table, c'est pour tout voir, parfait. Tis a job, yes! J'ai pas oublié ça, c'était essentiel. At once. J'ai réussi. Par le marteau de Moradin? Oui! Tuez-les tous comme les rats qu'ils sont! Une bataille glorieuse comme ce monde n'en a jamais encore vu. Voici 5 pièces d'or, ne dépense pas tout à la fois. Notez moi-même, ne jamais s'enrôler dans l'armée. On vous parlera jamais de tous les dangers auxquels vous serez exploité en y entrant et on vous paye une misère lorsque vous en ressortez. Eivor m'a offert 5 pièces d'or pour m'enrôler. N'existe-t-il donc pas un front de libération du peuple de Château-Suif quelque part? Ils se sont vraiment amusés à écrire des trucs comme ça, vraiment stupides pour le journal. It shall be as you wish. It shall be as you wish. Si vous avez de la chance, des fois, il peut vous donner 10 pièces d'or. C'est pas tellement mieux, mais bon. What can I do to help? It's already done. Notre personnage fait le même discours en disant que on est juste payé une bonne paye, mais c'est pas tellement assez, quoi. Tis a job for me. It's already done. Ah, voici Hull. Yes, it shall be as you wish. Hé, le mioche, je me suis réveillé en retard ce matin et j'ai laissé mon épée dans mes quartiers avant de prendre mon service. Faut aller me la chercher. Elle est dans le coffre au pied de mon lit, du côté droit des quartiers. Faut faire vite avant que le portier m'attrape. Il y a aussi un antidote là-bas. Je crois que Déprine en a besoin pour Nessa. It is I. At once. It's already done. Le règlement est très strict. Tis a job for me. How may I be of assistance? It shall be as you wish. Ces murs renferment le savoir du monde. Alors, vous vous sentez pas bien, vous me paraissez en bonne santé, mais on ne sait jamais. Avez-vous besoin d'une potion ou autre chose? Oui, ce serait gentil de votre part. Bon, très bien, prenez cette potion. Voilà, on gagne comme ça une potion de soin. It shall be as you wish. Elle est gratuite. I shall attend to it in a trice. Allons voir lui, là. Excusez-moi, mais je vais arriver en retard en classe. Hop là, pas le temps de causer, j'ai une montagne d'assiettes qui m'attend. En gros, ici, c'est un hôpital. I shall attend to it in a trice. It shall be as you wish. It shall be as you wish. Bon, on va éviter à nouveau, hein, parce que j'aimerais à un moment donné garder de l'or sur moi. Yes, with caution. Donc, I hide away from prying with caution. As needed. Think carefully. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Ah, bon, très bien. Prends mes 13 pièces d'or. What concerns you at once? Le règlement est très strict. Oh, bonjour, j'ai pensé qu'il fallait vous prévenir que Gorion cherche Sir Valmar et tous ses amis. Vous devriez aller lui parler sans tarder. Alors, si vous êtes en solo, en fait, il vous demande d'aller là. Et vous avez le droit à une session d'entraînement pour savoir quels sont les différents monstres que vous pouvez rencontrer. Tout en ayant un groupe qui est prévu pour. Par exemple, il y a un paladin dans le groupe qui vous permettra de mieux chasser les squelettes. Donc les morts vivants. It's already at once. Bonjour, bonjour. I'm here to help. Tis a hero. What is it this time? It shall be as you wish. I shall attend to it in a trice.
J'ai une lame avec votre nom dessus. Mais c'est vous le gosse de Gorion, n'est-ce pas? Ouais, vous commencez pas la description, vous avez pas l'air terrible. Est-ce que je vous connais? Non, je crois pas, je vais pas rester longtemps, alors c'est pas bien grave. Vous allez pas rester longtemps non plus, alors c'est encore moins grave. Je voulais juste vous voir à quoi vous ressemblez. Joli visage, mais je ne vois pas pourquoi on en a fait tout un plat. Peu importe, je vais vous livrer à votre crâne et à moi la belle vie. Qu'est-ce qu'il a crié, Bonnemire? Le glas retentit pour vous, le glas de la mort. Tis a job for me. Bon, ok. En gros, il s'est vénère. Faut espérer que notre équipement ne se casse pas, parce que oui, il y a une histoire par rapport au fer dans le jeu. Et notre équipement peut facilement se casser, donc on va espérer que ça n'arrive pas. Yes, you have but it shall be as you wish. Et ça coûte cher tout ça. Y'a rien d'autre? Y'a rien d'autre. Yes, enthusiastically. Tis a job for... You have but to ask. I shall attend to it in a trice. Vous avez quelque chose en tête? Alors normalement, si vous êtes tout seul, ils vous demandent qu'est-ce qui s'est passé, et si vous leur expliquez, ils donneront des réponses qui changeront selon le type de réponse que vous aurez donné. Mais en gros, ils vous disent tous de faire gaffe, quoi. I'm here to help. The hero is on the job. Tis a job for me. Ici, c'est le quartier des soldats, donc on va éviter d'ouvrir le moindre coffre. I'm here to help. On va éviter les problèmes. What is it this you have but to ask? J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Ah, quelle orgie d'hydromel on a eue cette nuit. Ce Hull, il est vraiment trop. Pauvre vieux, en plus il a fallu qu'il garde la porte ce matin. Je sais pas comment il fait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Café, oublié, il m'a demandé d'aller la chercher. Je me demandais si vous aviez besoin de quelque chose. Si j'avais besoin de quelque chose? Ouais, il me faudrait des carreaux d'arbalète. Si tu peux m'en prendre à l'auberge de Winthrop, je te rembourserai. Bon, je te démangerai aussi pour le dérangement. Alors arrête de me regarder comme ça. It shall be as you wish. It shall be as you wish. It is I. C'est reparti. On doit donc faire le chemin arrière. Alors sachez, y a rien par ici. Y a rien. Pas de personnage à qui parler, pas de truc spécial ou quoi que ce soit. Y a rien du tout. Donc ça sert à rien d'aller là. Je suis là, moi. It shall be as you wish. Lui doit être là, apparemment. You have but to ask. J'ai l'épée. Je te la donne. Merci. Ah, ça, Gorion, t'as pas trop mal élevé. Honnêtement, t'as de la chance d'avoir grandi ici, à Château Suif. Il y a des fois, je pense que le monde hors de ses portes est devenu fou. À se battre comme ça, et à cause du manque de fer et tout ce Bataclan. Crois-moi, l'âme et la porte de Baldur seront en guerre avant la fin de la saison. Bon, je suis de service. Voilà 20 pièces d'or pour m'avoir évité à me faire pincer. What concerns you, enthusiastically? Tis a job for me. Je vais vraiment être de mauvaise humeur aujourd'hui. Pour sa fameuse épée. Alors il peut vous en donner aussi que 10. Donc voilà quoi. Donc là on a eu. On a eu la partie done. Où il trouve qu'on est assez sympa et donc on a fait assez vite. Et que donc on a mérité notre argent. How may I be of assistance? You have but to ask. Tout dépend de vos stats et de la façon dont vous jouez. Que désirez-vous? Ah, c'est top. Reste avec moi et on ira loin. Enfin bon, si tu restes avec moi, on dépassera sans doute jamais les murs de Château Suif. Heureusement tout de même que tu portes pas sur le dos une de ces armures de métal. Parce qu'il paraît que ces bandits ont au fait de te tuer pour te la piquer. Ah, j'espère que toute cette affaire de fer va vite se régler. Donc comme je vous ai dit, il y a une histoire you de fer. Qui est I'm here to help. At once. On retourne à l'auberge. Avant ça, it's already done. What is it this you have but to ask? On va essayer de retrouver. It shall be as you wish. Théophile, normalement il you have par but là. To ask. It shall be as you wish. Il patrouille toujours dans les jardins, donc il suffit juste de trouver où est-ce qu'il est. You have but to ask. I shall attend to it in a trice. You have but to ask. Alors dans l'ancienne version, il était toujours you par have là, but donc to peut-être ask. Qu'il est dans l'autre sens. I shall ou alors attend peut-être to it il se met vraiment à patrouiller dès le départ. Il n'attend plus maintenant que le joueur va vers lui. It shall be as you wish. It shall be as you wish. You have but to ask. Machin, qui doit un parchemin. You have but to ask. Ah, eux.
Ils sont énervants. Lorsque les ombres descendront sur les terres, nos seigneurs divins marcheront à nos côtés comme nos égaux. It shall be as you wish. C'est ce que dit le grand talent. It shall be as you wish. C'est le grand sage. I shall attend to it in a trice. You have but to ask. Lorsque les ombres descendront sur les terres, nos seigneurs divins marcheront à nos côtés comme nos égaux. C'est ce que dit le grand talent. Et une telle infection suivra son sillage. Que tous ceux qui auront eu vent de son passage périront de cette épidémie. C'est ce que dit le sage Alando. Durant l'année des tourelles, un hôte prestigieux nous viendra de l'Est comme une épidémie de sauterelles. C'est ce que dit le sage Alando. La terre et une telle infection suivra son sillage. Que tous ceux qui auront eu vent de son passage périront de cette épidémie. Le seigneur du meurtre périra. C'est ce que dit le sage Alando. Mais avant sa chute, il engendrera une lignée de mortels qui sèmeront le chaos sur leur passage. Lorsque les ombres descendront sur les terres, c'est ce que dit le sage Alando. Nos seigneurs divins marcheront à nos côtés comme nos égaux. C'est ce que dit le grand Alando. You have but to ask. J'attends d'entendre la voix du Nord. Vas-y, raconte ce que t'as à raconter, toi. Vas-y, chante. Lorsque les ombres des seigneurs du meurtre périront, nos seigneurs divins marcheront à nos côtés comme de nos égaux. On garde notre calme. Sur le grand Alando. On va normalement entendre la voix du Nord un jour. Voix du Nord, s'il te plaît. Voix du Nord, s'il te plaît, chante ton passage. J'ai des choses à dire dessus. Enfin, j'ai des choses à dire sur tout leur truc. Mais allez, Voix du Nord. Durant l'année des tours. Mais non, pas toi, celui qui est à côté. Un hôte prestigieux nous viendra de la. Non, pas toi non plus. Celui qui est habillé en violet. C'est ce que dit le sage. Que tous ceux qui auront eu vent de son passage périront de cette épidémie. Le seigneur du meurtre. C'est ce que dit le sage Alando. Mais avant sa chute, on garde notre calme. Une lignée de mortels qui sèmeront le chaos sur leur passage. Durant l'année des tours. C'est ce que dit le sage Alando. Vous comprenez pourquoi ils rendent fous ? De l'Est comme une épidémie de sauterelles. C'est ce que dit le sage lorsque le conflit glissera vers les. Durant l'année des tours, les grands lézards du Nord descendront armés de feu et de prestigieux. Nous viendra de l'Est comme une épidémie. C'est ce que dit le sage. I shall attend to it in a trice. Ah, merci. Mes hommages, jeune personne. Donc maintenant il est ici. Avant il était au Nord, maintenant il est au Sud. Bon. C'est Perle Flamme qui vous envoie, n'est-ce pas? Bon, remettez-lui le parchemin, puis hâtez-vous de parler à Gorion. Il vous attend sur les marches de la bibliothèque centrale. Je vous assure, mon enfant, il s'agit d'une affaire des plus urgentes. Donc lui aussi, il est au courant de quelque chose, mais on sait pas quoi. It shall be as you wish. On va donc attendre le retour du chef de groupe. Enfin, du héros. Parce que le chef de groupe, pour le coup, c'est ce bon vieux Brunnir qui est à l'avant. Ok les gars, on paye. The hero, it's already done. Yes, I shall attend to it in a trice. I shall attend to it. It shall be as you wish. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Si tu le dis, alors je te vends ça et ça, ça te va? Tu me donnes 8 pièces d'or, donc c'est pas grand chose, mais bon. Et pour ce genre de choses là, ouais, pour ça, t'as des choses à. Hein? Ouais, c'est bien. Ah non. Bon, donc, comme je disais, oui. Il me faudrait des carreaux d'arbalète. T'en aurais? Bah oui, évidemment, t'en aurais. Allez hop. Voilà. Quant à notre ami le nain, il va évidemment se bourrer la gueule. Le fer est devenu si rare ces temps-ci qu'on dirait qu'il est aussi précieux que l'or. C'est pas bon, pas bon du tout. Très étrange ce qui se passe depuis quelques mois. Le fer est de mauvaise qualité, il se désagrège comme s'il rouillait sans raison. D'après ce que j'ai entendu, la plus grande partie du minerai provient des mines de Nashkel. On peut pas faire confiance à ces mineurs amniens, c'est encore un de leurs coups. Bon, le nain est bourré. Ça se voit par rapport à la petite icône là. Ça veut dire que voilà, il est en état d'ébriété. C'est normal, c'est un nain. Yes. On s'y attendait un petit peu. At once. Donc voilà,
Ce qui fait qu'il est désavantagé sur certains trucs, du fait que bah il est bourré, hein, mais c'est un nain. It shall be as you wish. I shall attend ah, to non, it. Non, pas tout ça. The hero is on the at once. Enthusiastically. C'est mieux de faire ça justement à la constante. The hero is on the job. At once. I'm here to help. The hero is his a job for me. Forcément celui qui est à tout l'arrière, c'est évidemment le nain. Parce qu'il comprend pas. It's a job for me. What is it this you have but to ask? J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Merci, gamin. Il paraît que tu vas nous quitter bientôt, alors fais gaffe, d'accord? Tiens, voilà une dague. Mon père a tué un no-gobelin avec, il y a des années. Il lui a planté direct dans le dos, pour sûr. C'est pas une longue épée, mais au moins, ça fera l'affaire. Allez, bonne chance. Donc, une dague. Et pas n'importe laquelle. Une dague plus 1. Donc c'est une dague plus puissante qu'une dague normale. Donc celle-là, je vais la garder. Sait-on jamais. Ça pourra toujours servir. J'ai pas besoin tellement de ça, mais... Mais bon. Ça, pour la bouteille de soin, on va mettre ça chez elle. Potion d'identification. Voilà. Bah alors... Alors je lui achète des carreaux, il les prend pas? Non, c'est pas elle non plus. Ah, il a piqué les carreaux de... Oh, d'accord. Oh, mais l'arnaque que je me suis fait. Bah, il va falloir qu'on retourne à l'auberge. De toute façon, c'était pas pour racheter des carreaux. Merci beaucoup. The hero is on the job. The hero is on the job. C'est pas le héros, Bromnir. Mais c'est bien que t'y penses. Enfin, enthusiastically. Que tu y crois. Ouais, évidemment, elle fonce avant tout le reste du groupe. I'm here to help. Ce qui en fait une très bonne guerrière, hein. C'est bien qu'elle, qu'elle soit au devant de l'action, mais... Faut quand même qu'elle fasse gaffe. The hero is on the job. Yes, it shall be as you wish. What concerns you? Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. J'ai besoin de racheter les carreaux, il y a l'autre là qui a piqué les miennes. You need me? Attendez, que je me souviens bien. C'est quoi ça? Voilà, voilà. Donc elle ne sait pas se servir de... Comment on appelle ça? D'autres armes, pour l'instant. Ok. Non. I'm here to help. Pas toi! Toi. How may I be? You have but to ask. Tu es le héros de l'histoire, à toi de lui parler. You have but to ask. Yes. Les gens bien sont si rares de nos jours. Ah, je suis heureux de voir que votre âge n'a pas endurci votre cœur envers le vieil homme que je suis. Je vais prendre tous les parchemins d'identification que vous avez amenés, ils me seront d'un grand secours. Et permettez-moi de vous jeter un petit sort, il vous protégera des démons que vous pourrez rencontrer ce soir. Enthusiastically. C'est de plus en plus chelou cette affaire. It's a job for me. I'm here to help. Bon, tout le groupe, vous allez ici. I'm here. It's all at one. The hero is on the job. Tandis que moi, what is it this time? Je vais ici. It shall be as you wish. Je suis très fier de vous. Et voir Gorion écouter bien, car sans connaissance, la vie n'est que l'ombre de la mort. Merci bien, l'ami. Attention. Hé, hey, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Cette bonne vieille Imoen. C'est elle le personnage que normalement je prends toujours dans mon groupe, parce que je l'aime bien, et en plus elle a un rôle plutôt important, si ce n'est capital, dans Dragon Age 2. Qu'est-ce que je raconte Dragon Age 2? Dans Baldur's Gate 2, Shadow of Am. Je sais plus comment ça se prononce. Bref, donc voilà. Mais, comme je suis pas sûr de vous faire un jour Baldur's Gate 2, essayons au moins de vous faire Baldur's Gate 1, on verra ce que ça donnera pour la suite. Donc Imoen, sachez que c'est un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré de tout Baldur's Gate. Je suis surprise que ce vieux coincé de Gorion te laisse tranquille avec tes études et les corvées, la vieille rengaine. Je m'en vais aussi, le vieux Winthrop Grovan me cherchait, mais j'ai tout le temps de m'occuper de ses corvées. Tu as le temps de pour une histoire aujourd'hui? Non, je vois bien que non. Qu'est-ce que tu fais de beau?
Je crains de pas pouvoir discuter, ma petite. Mon père souhaite que je me prépare à partir en voyage, mais il m'a pas dit où. Comment ça, ma petite? Je suis pas beaucoup plus jeune que toi, même si tu as grandi vite. En tout cas, pas beaucoup plus. Alors, comme ça, on part en voyage, hein. Moi, je ne voyage jamais. J'aimerais pouvoir aller avec toi. Oh, j'aimerais vraiment. Ouais, vraiment. Ça va, j'ai compris. Je vais demander si tu peux venir avec nous. Oh, sois pas bête. Gorion ne te laissera même pas finir ta phrase. Surtout après ce qu'il dit dans sa lettre. Aurais-je vendu la mèche? Non, bien sûr, je n'ai rien dit. Jamais vu de lettre? Non. Je retourne travailler maintenant. Tu devrais partir. Gorion t'attend. You have but to ask. Comment ne pas l'aimer? Le reste de l'équipe? Yes. You have but to ask. It is I. Ah, mon enfant. Comme je suis heureux qu'on se retrouve. C'est très troublant, je sais, mais vous devez me faire confiance. Vous devez absolument préparer vos affaires pour que nous puissions quitter Château-Suf immédiatement. Et puis chez vous, il n'y a pas de temps à perdre. Le château est bien protégé, mais il n'est pas imprenable. S'il vous plaît, père, dites-moi où nous allons. Hélas, c'est impossible, car je n'ai pas encore vraiment pris ma décision. Ce qui est certain, c'est que nous serons beaucoup plus en sécurité si nous partons. Les bois nous offriront peut-être un abri retiré, ou bien la cité de la Porte de Baldur nous offrira-t-elle un refuge parmi la foule. Je ne sais pas où nous allons finir, mais j'ai bien quelques amis, ça et là. Je vais réfléchir. Que pourrions-nous bien craindre ici? Cet endroit est une véritable forteresse hautement surveillée. Château-Suf est vraiment un grand obstacle pour les bons à rien, mais il n'est pas insurmontable. Quelle que soit la taille de la souricière, une souris finit toujours par passer. Non, mon enfant. Nous devons partir dès que possible. Pour notre sécurité et pour celle de nos amis ici. Que dois-je emmener pour le voyage? Si vous pouviez m'aider un peu pour que je sache ce dont j'aurais besoin. Mon enfant, vous devriez vous connaître suffisamment bien pour acheter ce dont vous avez besoin. Je vous ai donné ce que j'ai pu économiser, alors rendez-vous vite à l'auberge et parlez à Winthrop. Servez-vous de votre talent et achetez ce qui est fondamental, mais dépensez intelligemment. Ces prix sont honnêtes, mais il se peut que vous n'ayez pas assez d'or pour acheter tout ce que vous voulez. Alors, si j'ai pu acheter tout ce que je voulais, c'est juste que j'ai un peu perdu d'or sur le passage. Comment ça? Disons que... Mon pote, Trevan, il a recommencé. Il a recommencé. Sérieusement, Valmar. Ce n'est pas vraiment une très bonne fréquentation, ce Trevan. Oui, mais il est utile, père. Excusez-moi, mais bon... Et puis c'est un pote, Et puis quoi, ça va de temps en temps. Il fait que des petits larcins. Il n'a jamais rien fait vraiment de mal à personne. Ah, non, mais je vous jure, père, il ferait même pas de mal à une mouche. Enfin, tant que la mouche n'est pas armée jusqu'aux dents. Mais sinon, enfin bref, je suis prêt à partir maintenant. Écoutez-moi bien, si jamais nous nous séparons, il faut impérativement rejoindre l'auberge du bras secoureur. C'est là-bas que se trouvent Khalid et Jaera. Ce sont mes amis depuis longtemps et ils sont dignes de confiance. Dépêchons-nous, mon enfant. La nuit va aller en s'épaississant et nous devons trouver rapidement un abri. Soyez sans souci, je m'expliquerai dès que nous en aurons le temps. Un instant, il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes tombés dans une embuscade. Tenons-nous prêts. Vous êtes réceptif pour un vieil homme. Vous savez pourquoi je suis ici? Rendez-vous, et personne ne sera blessé. Si vous résistez, vous le paierez de votre vie. Vous avez tort de croire que je vais vous faire confiance. Mettez-vous sur le côté, et aucun mal ne vous sera fait, à vous comme à vos laquais. Je suis désolé que vous le preniez comme ça, vieil homme. Il faut prendre la fuite, mon enfant, vite! Particulièrement cruel ce matin. Vous vous réveillez en prenant conscience que ce n'était pas un cauchemar. Pris dans une embuscade, vous avez vu Gorion se faire abattre devant vous, et sa puissante magie n'a pas pu le sauver de ce violent assaut. Il vous a demandé de prendre la fuite, mais cela n'enlève pas le sentiment d'impuissance qui vous envahit à présent.
Remettez-nous votre enfant, dit le félon en armure. Il en avait après vous, et vous seulement, mais pour quelle raison? Si seulement Gorion vous avait mis sur la piste, mais à présent, vous vous sentez seul et perdu. Château Suif n'est pas loin, et vous ne pourrez pas vous y réfugier. Les lecteurs paient pour leur sérénité avec des règles d'accès assez draconiennes, et sans l'intervention de Gorion, leurs portes demeureront fermées. Vous ne tiendrez pas longtemps sans aide et avec votre pauvre matériel. Peut-être pourriez-vous trouver de l'aide auprès des amis dont Gorion a parlé, ceux du bras amical. Donc, Jaïd et Ka... de Khalid et... Khalid et Jaïra, si je me souviens bien. Enfin bref, sont donc deux compagnons, donc les deux premiers normalement, qui nous rejoignent dans l'aventure. Mais il y en a un troisième. C'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Enfin voilà. Bref, Imoen, elle est là. Et elle est le premier compagnon qui nous rejoint dans l'aventure. Et c'est une voleuse, comme vous pouvez le voir grâce à sa capuche. Donc voilà. Elle est assez moyenne en tant que voleuse. C'est pas l'une des pires, mais c'est pas l'une des meilleures non plus. Elle est moyenne, quoi. C'est une bonne voleuse, mais sans plus. Désolé de t'avoir suivi, mais je ne sors jamais de Château Suif et ces moines sont si ennuyeux. Jamais un sou vaillant dans leur poche non plus. J'ai vu Gorion. Je suis vraiment navré. Je me disais bien qu'il pouvait vous arriver quelque chose dans le coin. Comment tu peux être au courant? Gorion m'en a même pas parlé. Par hasard, j'ai lu cette lettre sur son bureau l'autre jour. Je ne me souviens pas exactement ce qu'elle disait, mais il se peut qu'il... Elle est peut-être encore sur lui. De toute façon, je ne vais pas te laisser errer tout seul. Je ne laisse jamais tomber mes amis. Non, jamais. Je reste avec toi tant que tu le veux bien. Je te le jure. C'est là le problème. On ne peut avoir que 6 membres de groupe, pas plus. Ce qui est dommage, parce que... Ah, j'adore Imoen, mais... Désolé, désolé ma grande, mais... Mon groupe est déjà complet. J'ai déjà un voleur. Et... Il est plus efficace que toi. Pardonne-moi, Imoen. Pardonne-moi. De tous les membres de groupe qu'on pourra recruter par la suite, c'est la seule qui ne dira jamais rien sur nos activités. Enfin, tant qu'on reste pas trop mauvais. Si on finit par faire le mal tout autour de nous, elle finit par quitter le groupe. Mais sinon, habituellement, elle reste avec vous jusqu'au bout. C'est un peu votre petite sœur. Donc voilà, elle vous suit telle une ombre, toute sa compagnie. Bref, c'est la plus fidèle de tous les compagnons que vous pourrez avoir dans le jeu. Donc désolé, Moen, mais j'ai déjà un groupe. Pardonne-moi. Ouais. Pardon. Vous êtes une bien étrange personne. Hein? Mais notre amitié et tout alors? On se connaît depuis des années, je crois que... Je vais attendre jusqu'à ce que tu aies besoin de moi à nouveau. Car ça ne va pas tarder. Tu verras. Elle restera ici, quoi qu'il arrive. Et donc voici à quoi ressemble une carte normale. Sauf que moi j'aime pas la carte normale. Donc attendez que je me sois bien, c'est ça et ça? Ouais, super. Alors... Oh, chouette, il est donné... So we can be wealthy and wise. Healthy too. Ok, d'accord, si tu le dis, Brunir. C'est super, on a même plus besoin d'écrire le code, c'est littéralement rentrer dans le truc. Bon bah super, donc vous voyez à quoi ressemble la carte. Donc voilà. Ce sera beaucoup mieux pour moi, je ferai ça à chaque fois. Chaque fois qu'on sera dans une nouvelle carte, je ferai le code Explorer. Mais c'est tout, c'est le seul cheat code qu'on va abuser, sur lequel on va abuser, sinon... On utilisera littéralement aucun autre cheat code. Comme j'ai dit, si on a besoin d'or, j'utiliserai l'or qu'il faudra uniquement pour l'objet ou le truc qu'il nous faut. Mais sinon, après, voilà quoi. C'est uniquement si on coince. Parce que normalement, comme je vous ai dit, à un moment donné, le jeu va tellement nous donner des trucs que on va tellement vendre de machins qui vont nous être inutiles qu'à un moment donné, voilà quoi. Bref. Donc, sur ce, les vagins, à plus, portez-vous bien. Moi, je dis cookie, vous donnez ses suites. Et ciao, ciao. On se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. C'est sur là-dessus qu'on va s'arrêter pour l'instant. On ira voir donc le site de l'embuscade la prochaine fois. Comme ça, ça nous permettra de débuter sur quelque chose. Donc, sur ce, vagin à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, vous venez ses suites. Et ciao ciao, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Ah, aussi, dites-moi, si vous voulez que je garde notre voleur Trevan ou si vous voulez qu'on passe à Imoen. Dites-le moi sincèrement. Est-ce que vous voulez Trevan qui est plus efficace en tant que voleur? Ou est-ce que vous voulez Imoen qui est plus, on va dire... plus sympa dans le sens où elle a des lignes de dialogue, tout ça, etc. Alors, il faut savoir que dans Baldur's Gate, les personnages qui nous suivent n'interagissent pas vraiment. Ils parlent pas très souvent, tout ça, etc.
Mais ça peut arriver quand même, donc voilà, c'est... Mais bon, c'est très rare, quoi. Donc l'utilité est assez basse. Et puis surtout, si vous avez bien vu, j'ai créé un groupe de trois mecs et de trois filles. J'ai essayé d'être égal à ce niveau-là. Donc voilà, ce serait bête de casser le truc, mais bon. Bref. Donc sur ce, j'en plus, portez-vous bien, mangez des cookies, venez ces suites. Et ciao, ciao, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. Ah, pour votre info, avant qu'on se quitte totalement, il faut savoir que comme c'est une partie multi, si jamais d'autres joueurs viennent jouer avec moi, je peux leur transmettre les messages, les personnages que j'ai dans mon groupe. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par Baldur's Gate Unchained Edition et qui veulent jouer avec moi, pour voilà, pour vraiment jouer au jeu, hein, pas juste pour dire oh là là, ouais, je veux essayer et tout. Non, non, pour vraiment jouer, quoi. Le but, ce sera de terminer le jeu quand même. L'explorer au maximum, d'accord, mais le terminer un jour, c'est quand même l'objectif. Donc, voilà. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, alors, vous pouvez commenter comme moi ou pas. Ça, c'est vous qui regardez. Après tout, moi, je fais bien des vidéos où je commente pas. Donc, du fait qu'il y a des vidéos où je commente pas, vous pouvez aussi ne pas commenter. Comme vous voyez, vous pouvez juste faire conversation multijoueur qui est juste ici et vous écrivez ce que vous avez besoin de me dire. Voilà, quoi. C'est tout. Donc, voilà. Au besoin, voilà, voilà. Bref. Donc voilà, et évidemment, normalement, je vous donnerai le contrôle pour mettre sur pause, tout ça et compagnie, si vous voulez, mais vraiment, si vous voulez, quoi. Sinon, c'est moi qui garde le contrôle de tout ce bazar. Donc voilà, voilà. Bref. Et évidemment, je peux vous donner un, deux... Je peux vous donner autant de personnages qu'il y a autant de places ici, en fait, vous voyez. Il y a 6 places en tout, pour 6 joueurs. Donc voilà, il y a moi, le gérant, ainsi que 5 autres places pour bah, les 5 autres personnages. Donc on peut jouer jusqu'à 6 en tout. Donc voilà. Bref. Et comme c'est des personnages personnalisés, donc des personnages que j'ai entièrement créés, ils n'ont pas d'histoire particulière, donc vous pouvez leur inventer ce que vous voulez, faire les choix que vous voulez avec. Même si, bon, comme j'ai dit par exemple, Trevan est un neutre mauvais. Donc c'est-à-dire son but à lui, c'est surtout en fait l'argent et l'or, quoi. Pour lui, les lois, c'est un vague truc qui peut des fois servir, mais voilà quoi. Son truc à lui, c'est vraiment suivre uniquement l'or. Si, à un moment donné, des gens nous demandent de faire le mal, mais qu'il y a de l'argent derrière, lui, il accepte, vous voyez. Ça lui pose aucun problème. Pour lui, c'est... voilà, quoi. En revanche, ce sera un problème pour elle, qui est notre bon. Pour elle, le bien doit triompher, quoi qu'il arrive. Donc voilà, quitte à désobéir aux ordres d'un chef. Donc si, par exemple, lui, il décide... ah bah, d'accord, on y va pour de l'or, elle dira... ah non, non, j'ai pas envie, je ne veux pas, ce n'est pas... ce n'est pas ce que nous devons faire, c'est faire le mal, ça. Donc voilà, enfin, comme c'est des personnages personnalisés, ils ne réagiront pas, évidemment. Mais voilà, quoi. Normalement, dans le jeu, selon l'alignement des autres personnages qui vous suivent dans le groupe, ils réagissent selon les choix que vous faites dans le jeu, évidemment. Donc voilà. Et certains peuvent quitter votre groupe selon vos actions, etc. Enfin bref. Donc voilà. Mais ici, comme c'est des personnages personnalisés, ils réagiront selon votre bonne volonté. Donc voilà. Donc encore une fois, s'il y en a qui sont intéressés. Puis surtout, vous pouvez vraiment choisir la classe que vous voulez. Comme par exemple, on a deux classes guerrières, un barbare et un protecteur nain. Donc voilà, c'est vraiment les classes guerrières de base. Hein. Donc vraiment, le but, c'est juste de taper avec. Donc voilà, on a le voleur qui est un peu plus tactique, où il faut chercher les pièges, détecter les illusions, ce genre de choses. Voilà. On a le prêtre, ou le clerc, comme utilisez le terme que vous voulez, qui est surtout là pour soigner et défendre le groupe. On a évidemment une archère pour attaquer à distance. Donc voilà, vraiment pour ceux qui veulent rester à distance tout en faisant quand même des dégâts et attaquer. En sachant qu'elle ne peut pas mettre d'éléments en fer. Bon, là, elle a le casque sur elle. Je sais pas comment ça peut être possible normalement puisque c'est fait en acier ça aussi. Mais bon, allez savoir. C'est peut-être pas prévu dans le jeu que voilà. Peut-être que c'est seulement les armures en elles-mêmes et pas le casque qu'on a sur la tête. Peut-être. J'en sais rien. Bref, donc voilà. Donc elle, vous voyez, elle ne peut pas mettre de grosses armures comme les deux autres. Par exemple, ou comme le prêtre, justement. Lui non plus, il peut pas mettre de lourde armure, mais c'est parce que c'est un voleur. Évidemment, il y a moi, le mage. Bon, ça, c'est mon perso, donc personne n'y touche. Mais ça, c'est le plus tactique, c'est-à-dire... faut que je lance des sorts, tout ça et compagnie. Tiens, d'ailleurs, la prochaine fois, j'activerai pour qu'on ait un familier avec nous. Comme ça, on sera 7, en fait, dans le groupe. Ah, ah. Ça nous fera un allié de plus pour les combats. Et puis, on verra ce que ça donnera, donc, un dragon fée, pour voir ce que ça a comme gueule. Donc voilà. I listen. Ah, et si je me souviens bien, alors c'est pas elle, mais elle.
elle, voilà, dans ses sorts spéciaux, elle peut invoquer, voilà, des... elle peut charmer les animaux, c'est-à-dire les animaux qui peuvent nous attaquer, elle peut en faire des alliés. Et les, elle aussi est un familier, et comme elle est neutre bon, elle aura un pseudo-dragon. Si elle est loyal bon ou neutre bon, c'est un pseudo-dragon. Si elle est chaotique bon, c'est un dragon fée. Donc moi, je suis un chaotique bon, donc moi, mon familier, ce sera un dragon fée, et elle, comme c'est une neutre bon, eh ben elle aura un pseudo-dragon. Donc on peut avoir deux dragons dans le groupe. Donc juste pour ça, c'est génial. Donc voilà, bref, allez, à plus les valeurs.